Re-YouTube. Bon, alors, No Man's Sky, c'est pas ouf, faut faire un rapport. Mais attendez, comment je suis... Si je me lance dans le développement d'un nouveau jeu, je vais pas me faire assez de pognon. Oh merde. Il faudrait que je fasse plein de boulot de merde. Pour stabiliser. Juste ce qu'il faut. Pour ensuite me réendetter sur 10 ans. Je fais des boulots de merde, je nettoie les chiottes de David Cage. Et derrière, paf, je rembourse, puis je me réendette quand je fais le jeu, qui, on l'espère, sera Bonobo Day. Un petit jeu. Bon, on va faire un petit jeu. Ah mais je... Vocabulaire, casu, on fait un Scrabble. On va faire un Scrabble sur Game Boy. C'est du génie. On va faire un Scrabble sur Game Boy. Espace et casu est une mauvaise combinaison. Merci Activision. Gameplay est important. Super NES casual bonne, Super NES tout public bonne. Allez, c'est parti. C'est parti. Non, pas de congé, pas encore. C'est parti, petit. C'est le ta gueule. C'est un Scrabble mais en un petit peu plus hardcore. Le son c'était sharing. Sharing, partagé, de Buguet Vesseltoft. Alors, démerdez-vous. Vocabulaire. Oui, avion... Non, avion aventure, non, c'est avion action qui cartonne aussi sur Game Boy. Casu. C'est un mélange entre le Buggle et le Scrabble. Pour public jeune. Ah bah non, le Scrabble, c'est tout le monde. C'est everybody. Plateforme Game Boy. Moteur. Ah bah non, on fait un... On retourne sur le FDP Engine. Petit jeu sur le FDP Engine. Ça coûte pas cher. Ça en mode texte. Ah mais non, parce qu'il faut quand même les lignes. On va mettre en 2D. Est-ce qu'on veut dépenser 80K pour avoir un petit stand à l'E3? Parce que le reste, c'est l'enfer. C'est pour gagner quelques fans. Ah mais si je prends ça... Mais non, je dois 60 000 balles. Non. Là, l'exploitation de No Man's Live va s'arrêter. J'aurais dû faire jeune. Putain. Non, il faut... Faut pas que je fasse de stand à l'E3. Mais oui, Game Boy est casu jeune. Quel connard. C'est pas grave, c'est un jeu de clodo. C'est moins cher que gratuit. Pas d'histoire. Pas de sauvegarde. Rien du tout. Gameplay à fond. Avec du moteur. Pas d'histoire, c'est le ta gueule. On est tellement dans la merde. Non. C'est du vocabulaire. Design, du level design. Un peu d'IA. Quoique ça serait de l'IA pour du vocabulaire. Quoique tout est scripté. Quoique la distribution des lettres, c'est de la RNG. Tout dans le gameplay. Moi, je mets un peu d'IA. Le jeu de la honte. Le mec il te hype No Man's Sky et derrière il sort un Scrabble sur Game Boy. Bon,
Allez, allez, je mets du son, je suis sympa. Bon, alors. Ah, oh, c'est du 50-50, madame. Alors, c'est parti. Allez. Oh, 5000 euros, merci, Dogeek. Allez, on bug fixe. Oh putain, il y a la PlayStation qui arrive et on sort des Scrabble sur Game Boy. Oh les clodo, dans 2 mois. Non, il y a un bug qui revient. Fixe le bug. D'accord. Les suites. Putain, on va pouvoir faire Bonobo Day 2. Putain, j'ai oublié de le faire pour les enfants. Oh, par pitié, le Scrabble. Multijoueur, progression des personnages. Oh l'enfer! J'aurai jamais l'argent pour faire un moteur. Non! C'est la fin! Non, c'est pas grave. C'était juste un petit jeu. Vocabulaire et casual font super combinaison. Alors, non, c'est maintenant. Faut y aller, faut accepter de vendre sa mère. Non, pas ça. Vite. Faut faire un jeu pour activer. Mais non, mais qui fait encore... Mais là, mais la Master System, elle est morte. Ubisoft. Ah, Ubersoft. Avion RPG. Mais qui fait un RPG sur les avions? Non, j'en ai marre. Piratage, stratégie. Ah bah ça, ça a du sens. Sur Mega Drive. Bah j'ai la licence, hein. Codemaster, tout sujet stratégie. 7 minimum. Là, on nous demande de faire un jeu de merde. Non mais stratégie sur Mega Drive, c'est zéro. On fait un jeu PC. On fait un jeu PC. Codemasters. Tout sujet stratégie. Y'a pas de date. Mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Remboursement sur contrat. Oui, d'accord, merci, putain. Accorder un congé. Reposez-vous. Je fais le rapport. Oh, qu'est-ce qui a pas marché pour ta gueule? C'est l'IA, j'en suis... Et pendant ce temps-là, la PlayStation sort. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, c'est la misère sexuelle. Putain, on avait 2 millions, j'aurais dû rester dans mon basement. Vocabulaire et casual, excellent. Gameplay. Game Boy casual, excellent. Mais alors pourquoi c'était de la merde? Fallait le faire en jeu moyen. Non, mais c'est pas sérieux. Non, non, il faut qu'on vende nos boules. Faut qu'on vende nos mères. Capcom sur Game Boy. N'importe quoi. Ninja. J'ai déjà fait un jeu de ninja d'action. Je peux pas le refaire. C'est trop soon. Too soon. Ah, sinon, je sors Bonobo Day 2 avec... Ah ouais, mais tout sujet toujours, c'est... On va pas sortir Bonobo Day 2 sur Game Boy. Avion tout genre. Je le fais sur Game Boy. Mais est-ce qu'on fait un jeu moyen sur Game Boy? Ou bien je fais la suite de Bonobo Day 2 en indé et c'est ma dernière chance. Suite. Bon là ils vont me dire t'es mort. C'est tellement la merde. Non mais c'est bon la banque.
La banque, elle va me proposer. Ah, on n'a plus le droit. Nous venons d'avoir la confirmation que l'Ubisoft, dernièrement en proie à des... Oh, c'est... Et je me fais racheter par EA. Nous sommes très heureux de l'acquisition des droits de tous les titres précédents de l'Ubisoft. Recommencer le niveau, mais quel niveau? Attendez, quand j'ai 2 millions! Oh putain, mais oui! On recommence quand on arrive là, quand on est arrivé dans ces locaux, avec Bonobo Day, quand la vie était plus simple. J'aurais jamais dû déménager. Là, on va se faire 2 millions encore. Fais un rapport sur Bonobo Day. On va être que deux. Et on va faire des petits jeux. À la pisse. Ou non, je fais mon jeu tout seul. Mais le problème, c'est que... Voilà, c'est un nouveau standard de qualité. Bonobo Day est entré dans l'histoire du jeu vidéo. Gameplay peu important. Pour pirate et aventure. Alors que aventure... Ouais, bah oui. C'est point and click, en fait, pour eux, aventure. Putain, c'était du génie, Bonobo Day. Mais là, je paye un loyer. Mais non, mais je vais continuer à faire des jeux tout seul en attendant. Je vais, voilà. Je vais... compter sur mon génie naturel. Parce que moi, je m'épuise pas. C'est l'avantage. En fait, je vais employer un sbire. Un seul sbire. Oui, faut que je fasse la formation. Et ça coûte trop cher. 2 millions 6, ça, on est bien. Ah, Bonobo Day, hein, qui rentre dans l'histoire. Bon, vite la 3D. Ah, vous êtes sûr que c'est la 3D, quoi. On va embaucher un sbire. J'ai pas mes stats. Moi, je suis polyvalent, c'est ça? Bon, bah, je suis un 300-300, quoi. Je veux un si je veux quelqu'un de polyvalent, faut que je lui demande des mots de jeu. Je prends un sbire comme moi. Est-ce qu'on le paye cher? Pendant ce temps-là, je nettoie les chiottes de David Cage. Ah, mais si je suis tout seul, ça va être chiant. Quoique, ça, c'est zéro, ça. On va quand même attendre d'avoir un clodo. Petit jeu casu. Ami. Plutôt accès technologie. Et là, on a un polyvalent avec Brandon Murray. Oui, bon, on va prendre Ami. On peut rechercher les jeux moyens. Ah, mais c'est terrible. La Game Gear, on s'en fout. Formation aux nouveaux arrivants. $100,000, il faut qu'il soit bon. J'avoue que pour $100,000, ouais, mais c'est le salaire suit derrière. Je recherche les graphismes en 3D direct. Bon, une formation et on y va. Forme pas. Ah oui, mais je l'ai fait, tant pis. La 3D, tu la développeras quand la PS2 sortira. Mais oui, mais moi je pensais qu'on pouvait avoir un très beau moteur 2D et que ça suffirait.
Bon, j'attends qu'elle soit dispo. Fait que des petits jeux de merde. Mais quand je fais un petit jeu, en fait, eux ne participent pas, c'est ça? Mon erreur, c'était de développer mon nouveau moteur. Faut que je reste sur mon moteur de clodo. 52K les dépenses mensuelles. Je reste assis sur mon pognon. Attendez, parce que là, il faut que je revoie l'historique des jeux, c'est pas clair. Donc, Pirate Aventure, un sublime succès. Donc, c'est Arts Martiaux qu'on n'a pas développé depuis longtemps. Allez, là, c'est 64, c'est la fin. Ah, mais non, sinon, je fais les boulots de clodo. J'ai profité qu'on ait du temps, là, pour faire les boulots de clodo pour gagner des points de recherche. Comme ça, on apprend à travailler en groupe. Ah, mais elle est nulle en design. Putain, par pitié qu'on n'ait pas la pénalité. Là, j'ai 4 est retiré. Le C64 est retiré du marché. Ah, viens, moins 10K. Je me débrouille en sécurité. Alors ça, je sais pas si ça vaut le coup, mais pour l'instant, on a eu pognon. Donc elle va améliorer notre sécurité. Salut, c'est Jason. Vous avez honoré le contrat. Vous n'êtes pas des sacs à merde. Parfait. Allez, je fais des arrière-plans de jeu, comme un clodo. Allez, on bosse bien, ami. C'est bien. Ça couvre même pas nos dépenses. Ah, c'est la misère sexuelle. C'est trop nul de faire ça. Bon, allez. On va développer un nouveau jeu, donc. Thème. C'est la suite. On va le faire sur Game Boy. Genre. Ah, quoi qu'on peut faire Fruit Ninja. Ah oui, mais j'ai pas Ninja, là. C'est Arts Martiaux. Alors, c'est pas clair. C'est pas Fruit Ninja. Médiéval, pirate. Est-ce qu'on veut un jeu casu? Mais là, on n'a pas trop un style casu. Qu'est-ce qu'on nous propose de trouver? Mais non, c'est trop tôt pour bosser avec un éditeur. On n'a pas cherché les jeux moyens encore. Musique! Musique casu. Ah mais non, transport, ça avait bien marché, transport, le RER. On peut faire le RER B, mais en petit jeu. Allez, c'est parti, la passion. Bon, allez. La ligne 13, c'est de la baise. Un gros jeu de transport. Tout public. Transport. Simulation. Sur PC. Sur le FDP Engine. Non, pas jeune. Oui, on fera le musique casu après. C'est cher. On est sur... Ah oui, mais on est sur PC. On peut se le permettre. Donc, il y a que moi qui bosse ou pas? Bon, histoire et quête, on avait dit zéro. On est sur du gameplay et du moteur. Il n'y a pas d'histoire. On met une sauvegarde. Mais est-ce que je bosse seul ou elle bosse aussi? Ah bah elle bosse aussi. Bravo Jacqueline. C'est bien les petits jeux. Dialogue 0. Full IA. Et du level design. Allez, j'y crois à mort. Graphisme et son, d'accord. Donc on avait dit design du monde, on s'en foutait. Ah, Scharf, la ligne 13. Bon, on est revenu en arrière, en fait. On est revenu et quand tu fais faillite, le jeu propose de... Ah, d'accord, couchage, j'irai voir. Il te propose, en fait, de revenir à l'étape précédente. Et l'étape précédente, c'est justement qu'on venait de bouger dans ces locaux après la première semaine de succès hallucinant de Bonobo Day. On avait dit que design du monde c'était zéro, non? Quoique ça aurait du sens.
Montre le son, sans en son. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? C'est de la simulation de transport. Bon, le son, c'est zéro, hein. On est bien là. Alors c'est un petit jeu indé, mais le précédent petit jeu indé qu'on a fait, il nous a rapporté 2 millions. Ok, plein de nouvelles recherches disponibles. On va laisser maintenant. Les premières critiques pour la ligne 13, c'est de la baise. Notre dernier jeu vient d'arriver. C'est pas mal ce qu'on fait. Eh oui, c'est cool! Allez, on rentre un peu d'argent. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, les petits jeux, peu de risques et beaucoup de bonheur. On va faire des jeux pourris, quoi. Ah, le jeu de super-héros, bien sûr. Bon, on part ensuite sur un petit jeu musical, casu sur Game Boy. Des petits jeux indés. Notre analyse post-publication de la ligne 13, c'est de la base. Transport et simulation est une excellente combinaison. Le moteur est relativement important. Excellent PC simulation, bien sûr. Et transport tout public, excellent. C'était bon. Mais ouais, mais le PC. Pourquoi investir 40 000 balles, enfin 100 000 balles pour développer sur une console qui va mourir en 5 ans, alors que le PC sera toujours votre ami et que notre plus grand succès qui a changé la donne du game, c'est Bonobo Day. On va développer des petits jeux indés. On avait fait quoi? JPP. C'était quoi notre grand hit cyberpunk? On a fait une simulation d'entreprise déjà. On a fait XCOM. On a fait le X de Xbox déjà. Attendez, on avait bien fait. On avait fait ça. C'est GT The Game Cyberpunk RPG. Oui, le X de Xbox. C'était plutôt un succès d'ailleurs. Il se débrouille bien la ligne 13, c'est de la base. Medieval Aventure, on l'avait pas fait. On a fait quoi? On n'a pas fait de Medieval, c'est pas possible. On a fait Baldur's Gate, en Medieval RPG. D'accord. Ben, c'est parti. Nouveau jeu. Thème. Medieval, allez. On reste sur du genre... Donc on a fait RPG, donc on part sur... Et quoi que stratégie en médiéval... Si on met stratégie médiévale, ça nous donne Warcraft. Oui, non, ils vont mettre ça en Heroic Fantasy. Bah oui, ou Age machin, on va faire un jeu de stratégie. Putain. Incroyable. Oui, c'est ça. Incroyable. Ou AOE, oui, bah oui, Age of Empire. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, je suis fatigué. Age of ma bite, mais non. Age of PSG. Mais non. Ou non, sinon... Warhammer. Ah oui, il y avait Warhammer aussi, c'est vrai.
Il y a War ma mère, quoi. Oh, c'est terrible. La boule magique. Apparition, merci beaucoup, bienvenue. Angoisse de la page blanche. Non, mais... Ah, j'ai eu un achievement, bah oui. Parce que le jeu est trop important. Trop important. Le Banhammer. Ok. Le Banhammer. Le Banhammer, c'est pas mal. Banhammer. Bravo, Romy. Banhammer. Alors, tout public ou rated M for mature du cul? De toute façon, stratégie... Enfin, ça n'a pas besoin d'être adulte, à part si c'est gore. Je tente le public averti. On reste sur notre premier moteur, hein, c'est beau. Le chat est cassé. Réglons ça. Age of Apier. Ah, j'avoue, Age of Apier, c'était inspiré. Bon, je fais des beaux jeux quand même. On a un standard à respecter. En stratégie, on est encore sur du gameplay du moteur. Plus du gameplay que du... Quoique c'est le moteur qui va surtout être intéressant. Oui, c'est le moteur. Une histoire. On est dans du médiéval, je mets une histoire. Et une sauvegarde. TP. TP quoi? TP. Tout public? Non, non, on n'est pas dans aventure, on est dans stratégie. On est dans stratégie, on va pas mettre de histoire, non? Ah oui, non, c'est simulation ou c'est de la merde? Ah, d'accord, rien n'est clair du coup. Ah, c'est pas clair du coup, parce que c'est vrai que. Il nous faut un moteur. Ah, Rul, c'est oui. Un jeu de stratégie, j'ai nos secours. Ah ouais, alors ça, c'est terrible. Ah, on s'en fout de l'histoire, on est là pour casser de l'orque. Il nous faut une IA. Design du niveau. Level design 3+. Ouais, mais c'est point d'interrogation, donc c'est de la bite. Moi, j'aurais mis plus d'IA que du level design. Enfin, faut designer les maps, mais ensuite, c'est que du full script. Quoique strat... Ouais. Putain. 100-0-0. Allez, je vous écoute. La ligne 13, c'est de la baise. 440 002. Voilà. Au moins, on se stabilise. Voilà, notre problème, c'est de... C'est le problème de tout studio. C'est de vouloir... De s'être cru trop beau, trop fort. World... Alors ça, le design du monde, c'est pas clair. Pour moi, il n'y a que sur le RPG que ça va avoir du sens. Et à ce moment-là, moi, je... Design du monde, je sais pas si j'en ai quelque chose à foutre en fait. Si notre monde il est pas intéressant, tous les grands jeux de stratégie ont une bonne histoire. Ah bah oui, mais. Quoi qu'on pardonne des mauvais graphismes quand il y a du background. 0-0. Moi je mets ça, full pif. Même si on me dit qu'il faut mettre du 0-50-100. Ah, la Mega Drive va arriver. Non mais je m'en fous, moi je suis un dev PC moi. J'ai compris maintenant, je me ferai plus jamais baiser. J'ai beaucoup appris de mon succès de... Bonobodé. Oh là là, double nouveau record. Par contre le combo n'est pas parfait. Ça doit être à cause du adulte. Ça va, c'est cool.
Oh putain! Oh là là! Oh putain, on a fait le nouveau Warcraft! Non, faut que j'attende. Des stats un peu. Oh là là, c'est très très bon! Oh putain, mais oui! C'est ça qu'on aime! Tiens, prends des vacances. C'est moi qui vais me casser le cul. Médiéval et stratégie est une excellente combinaison. Les dialogues ne sont pas importants. PC stratégie, excellent. Bon, c'est peut-être le adulte qui était une erreur. La Mega Drive est sortie, rien à foutre. Banhammer vous réserve de nombreuses bonnes surprises. Le design des niveaux est à la fois recherché et étonnamment intuitif. Je n'ai jamais eu l'impression d'être dirigé à travers un niveau, mais je ne suis jamais perdu non plus. Un véritable exploit, tout simplement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Ah, bah le level design a payé, bien sûr. Merci, ah, d'accord. C'est un journaleux. Julien Chies a bien aimé le jeu. On va peut-être commencer à rechercher des choses pour la suite des événements. Alors, j'ai jamais pris le marketing, c'était peut-être une erreur. On prend pas les jeux moyens. On va essayer de sucer les journaleux. Peut-être trouver un nouveau thème. Les ninjas. Ah, le problème des ninjas, c'est ça se passe sur console. Mais c'est pour ça qu'on a la Game Boy. Mais non, mais moi, je suis à fond console, mais la réalité, c'est que voilà, ça nous a ruinés. J'ai découvert... Ah, les fans... Écoutez, let them do, it's okay. On en a déjà parlé. Laissez les indés faire leur travail. On continue à faire nos petits jeux indés. Bon alors, on avait dit quoi? Un jeu de super-héros sur Game Boy. C'est parce que j'ai pas les jeux moyens qu'on ne s'est pas super vendu. Ah mais les jeux moyens ça coûte tellement cher. Et le problème des jeux moyens à deux, c'est que ils vont faire des burn-out de ouf. J'ai toujours pas fait Castlevania. Si, on avait déjà fait tampon. On avait déjà fait tisane de tampon ou pas? Oui, tisane de tampon, très bon jeu sur NES. Mais est-ce qu'on peut faire un jeu moyen à deux sans le burn-out, la faillite? Ah oui, il y a des sauvegardes rapides. Quoi? Ah oui, mais oui, merci. Voilà, c'est les fans qui sont contents, je ne les ai pas shut down. Et on a gagné moult fans. Je sais pas comment s'il y a un shortcut de sauvegarde rapide. Ah, mais oui, je sauvegarde jamais. Ah, bah, de toute façon, là, je peux pas rechercher les jeux moyens, donc ça règle le problème. À moins de travailler pour des clodos encore. Je peux pas faire les éditeurs encore. Non, vous inquiétez pas. Thème. Ninja. Il n'y a pas Doom-like action. On va faire Shadow Warrior, quoi. Ah, mais quoi que sur... Ah, mais j'ai jamais développé sur Game Boy encore. Ah non, j'économise l'argent. Quoi que ce serait dommage, là, j'ai la thune. Mais en restant sur les jeux PC, on prend pas de risque. C'est notre marché. Ninja Action PC sur le FDP Engine. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire sur le FDP Engine, mais... Adulte, alors. Encore une fois. Oh là là, deux geeks. 5000 euros. Quand tu assignes tes employés pour les jeux moyens ou plus, tu peux t'en foutre de la spécialité en design des technologies, puisque assigner les employés au bon endroit n'améliore le design tech que d'environ 5%. Plus tu as de fans, plus tu as de recettes, quelle soit la note. Pour les bons jeux, il faut toujours améliorer les scores de design des tech. Non, affion. Ok, merci Doggy. Ok. Ah, Sodo Warrior. Mais non, mais sinon... Ah, vous vous souvenez de ce nanar, ce truc sur le nanar? Non.
C'était sur Nanarland. La bande-son était incroyable. Les trois furies du ninja. C'est les trois furies du ninja. À mon avis, ça va être de la merde. Les trois furies du ninja. Tout public, bon d'accord. Mais sur PC ? Les publics avertis, c'était pas clair. Bon allez, tout public. Les trois furies du ninja. Histoire sauvegarde, oui d'accord. Le moteur, on me dit, c'est génial. Moteur, bah en tout cas, c'est sur histoire quête, c'est les trois furies du ninja, quoi. Alors le gameplay, on pourrait dire que... Non mais nous, on veut montrer qu'on a des beaux moteurs. Je crois que j'aurais dû mettre dans le gameplay. Moi, c'est pas grave. Mais Ami, en fait, si je la forme pas, elle s'améliore jamais. En bossant, elle s'améliore pas. Level design, level design. L'IA, c'est du scripté. J'ai volé le t-shirt de Hotz. Ah, c'était Trunks de Gameblock qui avait plein de t-shirts un jour. Ils s'en foutaient, donc je lui ai dit vas-y, je prends les t-shirts. Les graphismes, hein, très très bien. Au design du monde, on s'en fout, c'est pas du level design. Graphisme et son. Une bande-son de folie. Ah, on se foule pas, hein. Là vraiment, on s'est foutu de la gueule du monde. Hein. Non mais ça sent pas la mouise parce que sur un petit jeu indé, on prend zéro risque. Faut juste les enfourner. Oh, c'est très très bon, hein. Les trois furies du ninja. Dialogues améliorés, très bien. Je recherche les moyens jeu, peut-être pas encore. Quoique si, au moins je les aurais trouvés. Ou sinon, je me fais chier à être indé et débloquer tous les styles de jeu. Putain, ils sont pas... Ils sont de moins en moins d'accord, hein, les magazines. C'est un 7 de moyenne. Qu'est-ce qu'on a? Non mais développement de jeu, c'est chiant. Ah, musique, on avait dit qu'on faisait un musique casu. Il faudrait faire un nouveau moteur. Mais le problème de faire un nouveau moteur, c'est que ça coûte cher et que ensuite les améliorations, ça rend les jeux coûtent plus cher. Mais pour faire le moteur, il faudrait, dans un premier temps, eh bien oui, rechercher tous les éléments qui rendent le moteur viable. Quoi, on n'a pas fait le rapport sur le jeu, mais si, il vient de le faire. Non ? Ah non, d'accord, oui. Abrotix. Graphisme en 2D trop bien qui coûte cher. J'achète les trucs... mais oui, j'achète les trucs de jeux indé. Ninja Action, excellente combinaison. Dialogue inutile. Correspondance plateforme genre PC Action, bonne. Pas excellente, bien sûr. On va faire des boulots de clodo. Vu que j'ai plein d'argent de backup, on va faire des boulots de clodo. Allez, nettoyer les chiottes. Nettoyer les chiottes de David Cage. Technologie égale meilleure note? Non. Si? D'accord. Attendez, je fais les trucs de clodo. Ça risque d'être chaud, non? Les trois furies du ninja. Petit succès, hein, c'était pas ouf. Mais voilà, oui, faut que j'arrête de rechercher de nouveaux thèmes. C'est pour ça. Eh merde, putain, je me prends la... Mais c'est quoi cette délire? Je me prends la baise alors qu'on est à terminer au pile poil au... Quelle baise hallucinante. Heureusement qu'on peut s'asseoir sur le pognon de Bonobo Day. Mais j'aurais dû rester dans le sous-sol de ma mère.
Oui, alors, attendez, on va encore... Putain, la Super Nintendo sort, mais on s'en fout, on est des devs PC. Je me ferai plus jamais arnaquer. PC Master Race. Quoique pour Yves Grumeau, est-ce bien réaliste? On y arrive, ça, ou pas? Non, ça va être un scandale, encore. Allez! Allez! Allez, on donne sa life! C'est bon. Ok. Bon, alors, faire un moteur, évidemment, c'est donner des points de recherche. Non, c'est pas grave. On prend un éditeur de niveau. Le moteur. Mais on fera le moteur après. Là, on achète tous les trucs pour faire un moteur génial. Bon, faut qu'on fasse un jeu de clodo. C'est parti. On va peut-être faire notre jeu Game Boy. On va peut-être investir dans un Game Boy. Thème. Musique. Ah, mais j'ai casu. Ah oui, musique casu. Jeune. Apprends à faire... Mais ta mère. À faire de la musique avec Adibou et Kotorep. Non, il n'y a pas la place. Putain. Larusso. T'apprends à chanter. Quel enfer. Larusso, t'apprends à chanter. Et m'oubliera, lili, lalilou. Mais sur Game Boy. Mais non, parce que si c'est sur Game Boy, du coup, c'est bien le public jeune. Bah oui. Oh, je le tente. Je le tente pour les jeunes. Larusso, t'apprends à chanter. Et ensuite, on sort Guitar Hero, mais sur PC. Attendez. Non, ça va être... c'est du génie. Vous pouvez pas comprendre. On peut mettre des graphismes pas trop ouf. Non, mais on s'en fout de la Super Nintendo. Bah, histoire. Bah, des fois, elle parle un peu. Elle dit « Bonjour, je suis Larusso. » Ah si, on met une histoire. Putain, alors ça, c'est du génie. On va dépenser de l'argent dans le jeu, mais je pense qu'on tient un truc assez ouf. Je pense vraiment qu'on est sur un gros jeu. Oh putain, mais Dogeek qui remet 5000 euros. Tu peux aussi alterner entre trois types de jeux seulement. Ah oui! Oh putain. Oh putain, il y a trop de trucs. L'audience n'apporte pas, les suites ne doivent pas avoir le même engine que l'original. T'as au moins 40 semaines entre les suites. La 3 dite, la 3D vite. Oh mon dieu. Ok. Oui, oui, je fais des petits jeux. Bon, bonjour, je suis Larusso. Non, ça c'est vraiment un gros jeu. Et tout sur le son, bien entendu. Parce que quand même, pour faire chanter Larusso sur une Game Boy, faut avoir le moral. Bon, alors là, c'est bon. Je pense que personne ne s'attendait au succès assez surprenant de Larusso t'apprend à chanter pour les enfants. Non mais là vous vous rendez pas compte, du phénomène vidéoludique qui est en train de se passer. Allez, les premières critiques pour Larusso t'apprend à chanter, notre dernier jeu vient d'arriver. On passe quand même de Monkey Island à Larusso t'apprend à chanter. Oh, il y a un 10 là, je l'ai vu. Ah, on s'est peut-être trompé sur les enfants, mais c'était sur Game Boy alors. Le beat vidéo Lucie. Bon allez, ça va, on rentre dans les frais quoi.
Le jeu, il coûtait rien. On s'est mis sur le vieux moteur graphique. Musique et casual excellent, le son est très important, mais ça je le sais, je l'ai fait. Oui, ça annonce la fausse PlayStation, add-on de la Super Nintendo. Non, je vais pas la virer, elle revient là. T'es revenu ou pas? Oui. La 3D. Mais pour trouver la 3D, il faut que je... Je l'ai déjà cherché la 3D en fait. Ah, mais on pourrait faire nos premiers jeux 3D sur PC. Bon, allez, on cherche les jeux moyens. Je cherche les jeux moyens et à la limite, je vais... Ok, allez, c'est parti. Je pourrais chercher des spécialistes, mais on va encore chercher du polyvalent. Et on va faire le nouveau moteur. Et on va se ruiner. Mais cette fois-ci, on va se ruiner sur PC. Max Colon. J'aime bien son nom. Mais comment c'est possible d'être aussi nul? Ah là, on a un badass qui coûte la peau duc. Oh, on en a que 3. Ah, tant pis, hein. On recrute Clinton. Non, je fais pas les mêmes erreurs parce qu'on reste sur PC. Bonjour, Yves Grumeau. Oui. Vous inquiétez pas. Alors. La Russo t'apprend à chanter. Bon bah oui, c'est pas fou. La formation des nouveaux arrivants. Pourquoi elle est fatiguée encore? Le problème c'est qu'il faut qu'on le forme. Prends des congés. Pourquoi elle peut pas prendre des congés? Mais non, je vais pas te virer. Mais elle vient d'en prendre en même temps. Monde ouvert ou cinématique simple? Monde ouvert. On va lancer Fallout sur PC. On va lancer Elder Scrolls. Ah mais oui, on va lancer Elder Scrolls. On va faire RPG médiéval, monde ouvert. On va faire Daggerfall. Qu'est-ce qu'il y a? Sacré succès. Ah oui, on peut faire les contrats d'esclaves. Ah, pas encore super motivé du fion, faut le former. On va lui faire une formation nulle parce que là il est vraiment trop mou du slip quoi. Ah mais oui, des bisous Lovely X. Ah mais du coup, on se lance un jeu moyen, autofinancé. Il faut qu'on fasse Daggerfall. Ah oui, il faut qu'on fasse le nouveau moteur, mais quel con! Quel con du cul! En 3D, V1. C'est l'angoisse, hein. Et à la limite, pour les jeux en 2D, on restera sur mon ancienne engine. On va pas dépenser de l'argent. Des sauvegardes, des didacticiels, des meilleures expériences, des dialogues améliorés, des éditeurs niveau, un monde ouvert, un son mono. C'est la ruine. C'est la ruine engine. À mon avis... Oh là là, non mais ça y est, je suis déjà dans la merde. Bosse avec un éditeur, le temps d'avoir 50k fans. Bon d'accord, oui. Bon alors on bosse avec un éditeur, vite. Arts martiaux RPG sur Game Gear. Non. Non, pas sur console. Ninja simulation. Une simulation ninja, mais qui joue? Mais c'est de la baise! Et ça doit être un jeu moyen, mais non, on va pas investir les moyens d'un jeu moyen! Mais maintenant que j'ai un troisième mec, je peux pas spammer les jeux petits. Si
Simulation Ninja. Oh, je le tente. Putain. Incroyable. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Wouah, 20 000 euros. Merci, Golgotchafouin. Ninjaï, c'est le ninja qui s'enjaille. C'est la simulation ninja. Tout public. Quoi qu'on pourrait le faire, genre, c'est pour les gamins, pour les jeunes. Non. On reste sur le FDP Engine 1. Mais ça va intéresser personne. 60K. Mais pas pour un... 60K sur Game Boy. D2V2, 2DV2, vraiment. 2DV1. Mais Tenchu, je connais, mais c'est en 3D. C'est ça qui est pas clair, quoi. Est-ce qu'on doit mettre du V2 alors qu'on est que sur Game Boy? Moi, je mets du V1, mais il faut avoir 6. On n'aura jamais 6. Bon, là, on est sur une simulation. Donc, histoire quête, on s'en fout. On est sur du gameplay moteur, c'est pas mal. V2? Ah merde, j'ai pas mis la V2. je recrée exactement les mêmes erreurs. Vous inquiétez pas, je maîtrise mieux là. Je maîtrise mieux le marché. Ça va être de la merde en barquette. Simulation ninja. Intelligence artificielle, bien sûr. Et level design. Non mais la Game Boy c'est différent, on avait déjà la licence. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ça va vraiment être un jeu de ouf. Putain, y'a rien qui va dans le jeu. Patron, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de La Rousseau t'apprend à chanter. J'ai réussi à en édifier quelques-uns. On va les avertir. S'il vous plaît, respectez La Rousseau. Non mais c'est normal, on avait 2 millions de pognon parce que le succès de Bonobo Day était inattendu. Attendez. Ah, alors simulation. Design du monde et graphisme. Ah, je me ferai plus avoir par l'histoire des sons. Voilà, enfin des ouais, wouhou. Allez hop. C'est pas grave, tout le monde va crever. Le burn-out. Putain, on se déchire pour ce jeu de simulation ninja sur Game Boy. Il faut qu'on ait 6, c'est ça, hein. Putain, mais je mets tellement d'argent, c'est jamais worse. Sauf si le jeu se vend bien. Le piratage est un problème terrible. Voilà. J'ai une approche plus détendue. Nous avons gagné 190 fans. Oh, j'aurais mieux fait les strikes. Ah, quoi que non, ça va coûter tellement cher. Oh, tout le monde s'en branle de ce jeu. Ami a gagné un niveau. Ah mais non, 30K maintenant pour Ami. C'est maintenant que tu joues. Plus de 6. Mais pas un 5, bâtard. Non. Mais évidemment que c'est, je le fais au pif, c'est, on m'a demandé de faire du ninja simulation nu. Non mais, quelle idée, c'est de leur faute aussi. Faire un jeu de simulation ninja qui s'en branle.
Donnez-moi un jeu PC. Putain, mais... Faut qu'on fasse d'ailleurs Fall en indé, c'est le all-in. Faire des contrats d'édition nuls qui demandent pas des grosses ressources, des grosses notes. Mais voilà, du Activision. Activision, on met... Ah oui, parce que oui, évidemment, on fait du Activision. Et on fait des jeux en texte. Et on essaye quand même d'avoir un 2. Mais regardez, je remonte à 1 million, vous êtes des mauvaises langues. Parce que c'est de la merde, mais ça se vend. Ça se vend en barquette. Ninja et Simulation est une épouvantable combinaison sans fucking blague. Le son était important. Relativement. Ah, Simulation sur Gamelink, ça fonctionne. Ah mais non, je voulais faire une sauvegarde. Oh non. On n'a pas plusieurs sauvegardes possibles. Quel enfer. Regardez, c'est quoi le score? 6. Ouais, mais 6, c'est un score encore. Là, par exemple, on me demande de faire un jeu loi-aventure. Ah, écoutez, je go all-in. Je go all-in. C'est parti, on y go all-in. J'avais débloqué le marketing? J'avais sucé? Oui. Non, médiéval RPG. Médiéval RPG, au bout d'un moment, faut y aller. C'est maintenant. Les parchemins des vieux messieurs. Ah, des vieux messieurs, du coup. Pourquoi ça bug? Pourquoi je peux plus revenir? Les parchemins des vieux messieurs. C'est un jeu moyen. On va y mettre toute notre âme. Alors, tout public ou âme? Ou adulte? RPG. La boule magique. Je cite Organ, Erin Dalarman. On met tout, on met toute notre âme dans le jeu. Tout public. C'est la... On utilise le Ruin Engine. Ah, quoique dans Daggerfall, on pouvait mettre adulte. Il y avait le patch et on enlevait la nudité et le sang ou non. Ouais, tout public, on prend pas de risque. Fais ton marketing entre l'étape 2 et 3, mais comment? Graphisme en 3D, c'est parti. Ah, mais je peux faire ça! Ah, mais oui! Quel que soit votre investissement en marketing, il ne fera pas d'un bon jeu un mauvais. Oui. On fait ça, magazine et démo. On peut mettre une démo dans joystick. Eh mais ça coûte très cher. 2 millions. Bon, éventuellement, on fera magazine et démo, mais pas tout de suite. Ah, mais oui, d'accord, on peut faire des trucs entre. Didactique, tout. Je mets tout. Ah oui, mais alors RPG, ça se trouve, il aurait fallu mettre aventure. Est-ce que dans RPG, est-ce que pour eux, RPG, on est plus dans du Might and Magic nul? À ce moment-là, je pense qu'il faut faire un 150-50. Non, mais vous dites jamais la même chose. Zéro en moteur. Oh putain, c'est pas clair. Bon, du game design de Clinton Harris, bien sûr. Un gameplay de Yves Grumeau.
et un nom moteur de Clinton Harris. Non, de Amy. Zéro moteur, c'est le nouvel Elder Scrolls. Et personne n'est d'accord. Allez. On sait que le gameplay pèse un peu dans le game. Garde un chouïa de moteur. Mais oui, mais c'est... Mais putain, si t'as zéro moteur de bastille. Oh merde, faut aller à l'E3. Ah non, on nous informe qu'il y aura l'E3. Allez, on se défonce, les gars. C'est mon pognon. Salut, c'est Christopher Rignal de A-Gaming Check. J'ai entendu dire que Ubisoft travaillait sur un nouveau jeu. Oui, j'accepte l'interview. Oh non, on va encore faire No Man's Sky. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Les Parchemins des Vieux Monsieur? On est en train de refaire No Man's Sky, on va encore se reprendre la même baise. Ce jeu va être le meilleur jeu de l'année. C'est le marketing, non, on avait dit après. On lance l'engouement après. Non, on va commencer à en parler dans les magazines. Petit marketing magazine. Et après la prochaine phase, paf, le CD. Le CD démo, dialogue amélioré. Un éditeur de niveau, voilà, vous pouvez modder le jeu. Alors, merde. RPG, dialogue. Level design, l'IA. Alors, pour lui, j'imagine que c'est scripté. On part sur l'idée de tout est scripté. Donc, on est dialogue à fond ou level design ou un 75-75. Ok. Des dialogues écrits par Yves Grumeau. Non, Yves Grumeau. Elle a un level design de Yves Grumeau. Clinton Harris qui meurt. Bisous, Vich. Bon, niveau design, on est des ouf. Non, ça va être le jeu de l'année. Bon, mais... Ah merde, mais putain, le marketing, vite! Les briquets, les stylos, magazine et démo. C'est... C'est le meilleur jeu de l'univers, achetez-le. Il y a le shareware, il y a la démo shareware dans joystick. Ninjai. Ninjai a fait 1 million, hein, tout de même. La simulation de ninja nul. Des sons mono. C'est un monde ouvert. Car c'est Daggerfall. Clinton Harris est en burn-out, c'est pas grave. Il me faut un design du monde. Des graphismes. Et un peu de son, quoi. C'est un super... J'avoue que pour 30k par mois, Ami, elle faisait zéro. Hein. Il faut économiser Clinton, mais c'est un bon design, c'est pas grave. Un design de Yves Grumeau. Il va mourir. Des graphismes. Ah mais non, c'est parce qu'il fait les deux. Voilà. Des graphismes de Clinton Harris. C'est bon. Allez, on donne sa mère, on vend sa mère. Oh l'engouement. Et le jeu va être fini à la piste des bois. Putain, on donne notre vie. C'est les parchemins des vieux messieurs. Des vieux messieurs. Allez, on bug fixe, allez! Allez! On prend notre temps, on peaufine. Voilà, on rajoute du design. On va prendre le temps de finition manuelle. Oui, je prendrai un petit stand à l'E3. Car de toute façon, on sera à plein aux as. Grâce au succès des parchemins des vieux messieurs. Allez, on termine un petit peu encore, voilà. Mais non, pas des bugs! Mais me rajoutez pas les bugs! Allez, on arrête. Le combo est pas si fou que ça. Yves Grumeau. On a dépensé tout notre pognon.
C'est maintenant que tout joue. Les premières critiques pour les parchemins des vieux messieurs. Un autre dernier jeu vient d'arriver. Oh, j'ai vu des 10. Oh putain! On a fait Elder Scrolls! Mais un 10, sale pute! Oui! Julien Chies a mis 10! Oh oui, allez! Allez! Gauthi, c'est un Gauthi! Ah oui, mais non! Mais nous emmenez pas à l'E3 avant qu'on ait vendu le jeu! Oh merde! Yes, we are going to release an amazing game here just after E3 2000. Please stay tuned and follow Lubrisoft on all the social networks for amazing game experiences. ...47 000 personnes ont visité notre stand cette année. Nous n'avons pas réussi à entrer dans le top 100 des stands. Mais oui, il fallait attendre la sortie. Oh, le Gauthier. Attention. 7e des ventes. 1,3 million de BNF en première semaine. C'est le Gauthier. Durant une précédente interview exclusive, Yves Grumeau de Lubrisoft avait fait de grandes éloges à propos de leur jeu en développement, Les Parchemins des Vieux Messieurs, et avait prédit qu'il serait couronné de succès. Maintenant que le jeu est sorti sur le marché, le consensus est que Yves Grumeau avait raison. Le jeu a reçu un accueil très chaleureux. Incroyable, incroyable! Ah, allez, reposez-vous, vous avez bien mérité quelques congés. Moi, je vais faire mon rapport. Ah, et ça tombe bien, on nous propose de développer les suites. Et on va faire la suite. Ah, il faut quoi? Avec ce moteur-là? Ah oui, mais il est qu'en 3D. Est-ce qu'on fait la suite de Bonobo Day? Ah oui, mais ce serait encore un jeu d'aventure. Donc on va me dire que... Les parchemins des vieux messieurs vous réservent de nombreuses bonnes surprises. C'est un plaisir de découvrir l'univers merveilleusement imaginatif de les parchemins des vieux messieurs. Vous passerez des heures à voyager à travers ce monde. Tout simplement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Non mais c'est un jeu d'aventure donc ça a été... Oh putain, 5 millions! Oh la richesse! La richesse d'un homme! On s'en fout. Design du jeu semble être relativement important. Le son est peu important. On le savait. Clinton Harris n'est pas encore bien. Oui, mais oui. Ne t'inquiète pas, Clinton Harris s'en occupe. Par contre, faudrait... Alors, merci beaucoup pour tes services, ami. Voilà, casse-toi. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. On a vendu plus de 500 000 exemplaires alors qu'on avait... On n'avait pas d'éditeur. Bon allez, moi je veux un badass. Moi je mets 200 000 balles sur la table. Et je veux un mec qui sait faire des jeux. Oh là 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 là, on continue à se faire des couilles en or. Putain mais j'ai mis 200 000 balles sur la table et j'ai des sbires. Lui, il est pas trop mauvais, au pire. Enfin, il est polyvalent nul. Non, mais il est nul. Qu'est-ce que c'est que ces Clodo? Non, je vais pas recharger ma save, j'assume. Putain, mais le jeu... Ah, mais ça, c'est le bonheur des RPG, hein. Oh là là, on se fait des couilles en or. Je remets de... Remettez de... Non, mais je vais mettre 100 000 balles, ça sert à rien. Quoique j'ai des bons game designers, c'est ça? Il donne quoi, ça? Ah non, non, c'est un techno... C'est technologie. On va chercher un game designer. Putain, par pitié, quoi. 120 000 balles sur la table. Oh là là, mais regardez ça. Oh là là. All the pognon in the world. Putain, mais c'est pas possible. On se fout de ma gueule, on se fout de mon cul.
Bon, Jennifer Cavana, elle est pas mal. Ok. Putain, mais 6 millions 6, ça arrête pas. All the pognon of the universe. Tant pis, j'ai pris une clodo encore, on va me juger. Bon, des recherches. Il faut la former. Formation noob. Go 500K, tu trouveras un génie. Alors, on recherche. J'ai sauvegardé, ouais. J'embauche. Je mets 2 millions sur la table. Non, c'est... on va se calmer le cul, peut-être. Quoique. Mais ça va être difficile de faire un jeu aussi bien que... Bon, je mets 2 millions sur la table. Trouvez-moi quelqu'un. $7 millions de recettes. Non mais on va recharger parce que c'est de la connerie, mais je voulais voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, ça rend de la merde ? Bon, c'est pas grave, on va rester avec, avec Jacqueline. C'est incroyable, tout le monde pue la merde. On va essayer de trouver à la limite un noob, un énième noob. C'est pas possible, on va bien trouver quelqu'un. Un game designer. C'est hallucinant. Oui, d'accord. Mais que des clodos, quoi. Oh non, j'arrête. J'arrête tout. Oh, on va garder Jacqueline, finalement. Tu peux pas recruter des persos qui ont un meilleur niveau que toi. Mais il est niveau 3 ou 4, Yves Grumeau. Il est niveau 4, Yves Grumeau, tout de même. Bon, on va faire les recherches. Elle a fait sa formation nulle. Fais-la. Toi, recherche avant. Ah ouais, on va. Graphisme en 2D V3. Ah mais non. On veut la 3D V2. Les suites. Les cinématiques simples. Incroyable succès des parchemins des vieux monsieur. Oui, voilà, former, c'est bien. Mais on a plein de points de recherche grâce au jeu monstrueux qu'on a fait. Non, j'ai pas la virée, pas tout de suite. Oui, mais on m'avait dit pas de former, mais c'est parce qu'au début j'avais pas beaucoup de points de recherche, pour ça qu'on m'avait dit de pas former. Est-ce que je prends les graphismes en 2D ou on reste sur la 3D? On reste full 3D sur PC. Golgosh à foin, encore 10 000 boules. Ah bravo, merci. C'est une somme, merci beaucoup. Et on va leur faire des petites formations 1D. Putain, mais elle, c'est catastrophique quoi. Regardez, c'est formidable, il gagne des niveaux. Ah putain, il gagne beaucoup de niveaux. Bravo. Non mais oui, c'est ça, on va faire... Là, on peut prendre le temps, hein. Honnêtement. On s'est tellement gavé le cul. On cherche des gens par 20K. Ah, j'avoue. On cherche juste des clodos. On peut rien leur demander. Tout de même. Je veux un game designer. Ah, il est bon en tout. Il est bon ce Calvin. Ah bah voilà, et tout de suite on a un niveau 2 avec 310 en Disney. Jacqueline. Ah non, Jacqueline qui nique les selfies et les périscopes. $310 en design, c'est pas mal. Bon, en technologie, ça elle servira que dalle, mais on peut la former derrière. Peut-être trouver mieux. Hein. Ah, mais maintenant, c'est le chat, mon chat qui est bloqué.
Allez. Allez, go Jacqueline. Ah, c'est bien. Une belle équipe, une belle équipe. Formation nouveaux arrivants. Ouais, allez, allez, on s'éclate. Moi, je m'éclate. La vitesse, la vitesse. Tout pour la vitesse. Bon, alors toi, t'es vraiment une quiche. C'est une designeuse, c'est bien. Design, un peu technologie de recherche. Vitesse, recherche, technologie, design, recherche. C'est bon, j'ai F5 mon chat. Ah, faut que je F5 celui-là aussi. Oh, j'en ai plein le cul. Pourquoi rien ne marche? Allez, on dépense tout. Y'a rien à rechercher sinon? Ah, c'est bon, elle était formée. Bravo. Ah, mais elle est vraiment trop nulle en technologie. C'est scandaleux. On a 6 millions de dollars. On peut quand même se faire plaisir. Graphisme en 2DV3. Non, on va attendre, on a dit. Non, je peux pas faire une suite, c'est trop tôt. Bon, je peux faire une suite à un de mes autres anciens jeux, mais qui n'était pas un succès. Mais c'est bizarre. Du coup, niveau marketing. Historique des jeux. Peut-être un jeu qui avait été noté plus de 7 au moins. Karateka avait été noté plus de 6,25. 5,25 pour la nuit des fans de la PGW. 5,75 pour Baldur's Gate. Cirez-moi les pompes avait été très bien noté. On pourrait faire la suite de Cirez-moi les pompes, une simulation d'entreprise. Ah si, on peut faire Bonobo Day. Mais Bonobo Day, est-ce que ça vaudrait pas mieux d'investir dans le moteur 2D à ce moment-là? Ou est-ce qu'on accepte de faire Monkey Island 2 en 3D? Ce qui nous arrangerait, mais ce qui serait un petit peu une trahison de l'histoire. Ah, mais il y a Tisane de Tampon! Mais c'était sur NES, Tisane de Tampon, le Castlevania. Tirez-moi la bite, j'y ai pensé. Putain, mais le X de la Xbox! Ah, mais oui, c'était XCOM! Ah, on peut faire XCOM 2. On va faire XCOM 2. On va faire XCOM 2. Ok. On fait XCOM 2. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de congé? Non. Elle, c'est juste, elle galère encore. Elle est un peu fatiguée. Déchiffrons. Nous avons une offre très spéciale pour vous. Nos agents ont récemment parvenu à obtenir l'accès à l'une des parties des systèmes essentiels de l'un de vos concurrents. Si vous voulez les pénaliser, veuillez transférer 148K sur le compte indiqué et nous commençons le sabotage. Mais pourquoi on... Here at Ubisoft, we believe in... At Lubrisoft, we believe in the equality of chances. There is no need to be enemies. Video games are a passion. It's okay. Alors. La Game Gear va être retirée du marché. Ok, alors. Allez, on y va. On développe une suite. On développe une suite. Pas tout de suite, bien sûr, au parchemin des vieux monsieur. Pas à la Rousseau après. Ah, il y avait Banhammer aussi. Banhammer a été un très bon jeu. C'était un petit jeu. C'est ça, hein, c'était un petit jeu, Banhammer. Faudra y penser. La ligne 13, c'est la baise. Bonobo Day, évidemment, notre plus grand hit. Le X de Xbox. On va essayer de faire mieux. OVNI Stratégie. Donc ça, c'est déjà excellent de combo. On le laisse en tout public. C'est un jeu moyen. Donc c'était le X de la Xbox. Le B de la Xbox. Le X de Xylophone. Allez, c'est parti. C'est sur la Ruin Engine. De toute façon, on nous l'a dit. C'est Doigi qui me l'avait dit. Il faut que ça soit pas le même moteur pour une suite. C'est vraiment... Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent pas? Ah!
Sur PC, bien sûr. Coût de la licence, 200 000 balles. On pourrait faire des jeux PlayStation. C'est vrai que la PlayStation, ça va être un carton hallucinant. Mais regardez, le PC, finalement, il est à 15% de part du marché. Il reste solide. Pourquoi dépenser... On pourrait le faire. XCOM était sorti sur PlayStation. Avait bien marché, d'ailleurs. Mais pas tout de suite. C'est sur PC, XCOM. Graphisme en 3D. On fera l'hype au deuxième truc. Histoire linéaire, oui. Sauvegarde, didacticiel, meilleur... Tout. Alors. Stratégie. Alors oui, stratégie, merde. Mais comment on avait fait? Putain, mais je l'ai fait, je... Pourquoi j'ai plus les indices, là? Alors qu'on a fait le jeu original. On a un fion. On était surtout, j'avais fait quoi? En plus, j'avais fait des choix audacieux. Mais oui, j'avais fait un rapport. Non, mais ça reprend pas les anciens paramètres, là. Sérieux, ça a repris les anciens paramètres? Je vous êtes sûr, c'est pas les paramètres de... Ah donc, ok, j'ai été quoi? J'étais à fond alors. Merde, je me souviens plus ce que j'avais mis alors. J'avais mis gameplay à fond, histoire quête. Oh chier, c'est plus du tout clair. Oh, j'ai besoin d'un assist. Zeradams. Oui, ça reprend les paramètres du dernier jeu créé, bien sûr. Histoire dans stratégie, on s'en branle la nouille. Mais n'importe quoi. Mais non, mais c'est de la bite de mettre dans histoire quête. Mais c'était ceux du RPG, il n'y a jamais eu d'histoire dans notre XCOM. Vous avez pété les plombs du cul. Laissez-moi faire, TKT. Je me demande si pour celui-là, du coup, le moteur a pas plus de sens. Ouais, ça va être pas mal. Ah oui, le moteur... La technique, c'est pour Clinton. Et donc, on va laisser Histoire Quête, qui est du level design, à Jacqueline. Quoique, c'est la partie la plus intéressante, donc peut-être plutôt mettre Yves. Ah oui, on n'avait pas mis de sauvegarde, et c'était encore le 3. Ah oui, on l'avait pas fait encore. Bah si. Mais attendez, il y a le 3 tous les jours. Ah non, c'est parce qu'on a pris tellement de temps à se former. On pourrait faire toutes les caisses. On peut devenir le nouveau Rockstar. En mode, écoutez. À quoi que non, Rockstar va pas aller à l'E3, ils s'en branlent la nouille. On pourrait dire, écoutez. Non mais ça, c'est là où on fait de la merde. C'est là où on se voit trop beau, trop grand, et finalement, c'est la misère sexuelle. Ah non, 1,5 million, faut rater les conneries. Nous aurons notre propre section dans le hall principal, pour vendre des briquets et des stylos. Faut que je fasse le marketing, par contre. Ah ouais, c'est vrai que le chat a dit que Bono Baudet allait faire un flop, et c'était le jeu de la vie, finalement. Bon allez, on fait un stand moyen, c'est l'Ubisoft ou pas? Petit stand moyen. Alors marketing. Pourquoi j'ai pas marketing? Mais putain, marketing! Magazine. Pour l'instant, magazine.
50K, ça mange pas de pain. Allez, calmez-vous. Et après, on en fera des caisses. Et si le jeu c'est de la merde, ça sera vraiment la honte. Putain, pour l'instant, l'engouement, c'est pas ça. Hein. Ah non, j'aurais dû être plus agressif. On sera plus agressif en phase 2. Ah putain, je vais dépenser trop d'argent sur la com. Ça y est, je deviens un connard. Petit, j'ai 15 cafanes. Tant pis. Rodatoubi. Bon, l'IA, super intéressant. Le design. Level design. Dialogue, que dalle. Et l'IA. Donc, design. Faut mon meilleur designer, c'est Calvin. J'en ai bien peur. Yves Gru... Bah, il est déjà au bout de sa life. Non, c'est Jacqueline. Pour l'instant, elle sert à rien, hein, Jennifer. Stratégie, il faut une IA à 100, mais pourtant, on nous a mis bien avec design du niveau. Hein. Allez. Bon, alors la marketing. Attention. On pète complètement les plombs. C'est la petite campagne. 500 000 balles. Ah non, mais là, on vend nos mères. Non, on va peut-être se calmer. Hein. Mais il n'y a pas trop d'engouement, là. IA 100%, merde. On va magasiner des mots, des briquets, des stylos. Ah, le 3. Bah, attendez, quand même, depuis Bonobo Day et les parchemins des vieux messieurs. Des vieux messieurs. Ah non, c'était worse. C'était worse. Oh là là, il y a beaucoup de monde qui vient quand même. Pour un petit stand, c'est pas mal. Ah mais non, j'ai pris un moyen, j'ai pété les plombs, c'est ça? Oh, je sais plus ce que j'ai fait. 84 000. On n'est pas dans le top 100. Oh, on est des sbires. La Game Gear est morte. RIP. Bon, c'est la fin. Design du monde, graphisme et son. Bon, alors, le design du monde, je sais plus. Je crois qu'on s'en fout. C'est un jeu de stratégie. Il en faut, mais pas trop. Le son, on s'en branle, c'est sûr. Peut-être... Mais qu'est-ce qui prend le... C'est le design du monde ou les graphismes qui vont prendre le dessus? Ce qui est bien avec les graphismes, c'est qu'on peut toujours essayer d'arnaquer le chaland. Ça doit être World Design quand même. Graphisme en premier pour la strat. Putain, mais ça piffe tellement. Mais le son, tout le monde s'en branle. J'ai mis dialogue amélioré. Oh, quel connard. Non mais Clinton, on va le faire... Vous inquiétez pas. Mais au design, mais à Jacqueline. Jacqueline, elle va pouvoir faire le design du monde. Voilà. Ça va reposer Clinton. Yves Grumeau. Voilà, c'est bien. Là, c'est safe. Et du coup, je peux mettre Clinton au son. Il sera un peu en burn. Et Jennifer, elle aura rien fait. Ah bon, allez, on va faire bosser Jennifer quand même. Le monde ouvert. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours que du bonus, même quand c'est complètement hors sujet. Golgot Chafouin. Ah, mais encore, mais merci. Et mettre le monde ouvert, est-ce que ça aura vraiment une incidence? C'est ridicule. Si c'est que du bonus toujours, je le mets. Mais sinon, c'est de la merde en barquette. Mais du son plus que du graphisme.
J'ai un buff d'XP si personne est à 100%. Ah mais Yves Grumeau. Ouais mais le problème c'est qu'elle est moins bonne, donc il sera moins bon le jeu. Si je mets Jennifer. Jacqueline là, elle pète les plombs. Non, c'est bon, on va rester sur ce que j'avais fait. Mais non, j'enlève le monde ouvert. Allez, c'est bon. Allez, go. Le son, mets du son. Ah, vous étiez sûr que c'était le son? C'est pas grave, y'a moult engouement. Fallait que je mette du son. Mais n'importe quoi, bon tant pis. Allez, on bug fixe. Allez, on peaufine, on gagne un peu des trucs. Double nouveau record. Oh putain, multijoueur, progression des personnages, IA améliorée, cycle jour-nuit. Oh putain, cycle jour-nuit pour la suite des parchemins des vieux messieurs. Oh putain, c'est décisif. On a dépensé 2 millions. Oh putain, ça a l'air bien. Oh putain. Oh, c'est le jeu de votre vie. Un petit 10. Oh, c'est bien. Oui, Elsa Adams, parce que je fumais. C'est pas mal. Il faudrait que j'arrête bientôt. 12e. Ubisoft a récemment sorti une suite à son jeu, le X de Xbox. Le jeu le plus récent de la série, intitulé le X de Xylophone, a reçu une excellente réception. 12e des ventes. Ah ouais, on fait du pognon. On fait du pognon, c'est cool. Le report. Putain, on n'a pas besoin d'éditeur, on est trop des oufs. Rechercher. Putain, on a toujours pas l'amélioration graphisme. Bon, on va chercher le multijoueur. Progression des personnages. Ça, c'est que des trucs qui vont nous faire du bien pour la suite à un moment. Des vieux messieurs. Le cycle jour-nuit obligatoire. Congé après. L'espace. On va chercher l'espace. On s'est remboursé. On est revenu où on était. Mais on... C'est parfait. Son semble être relativement important. Ah, vous aviez raison, le son. On a réussi à s'en sortir malgré le son médiocre. Et puis on perd un peu d'argent, mais en même temps, on a acheté toutes les recherches de la vie. Des congés pour cet homme. Oh, les avions. Ah, l'espionnage. Est-ce qu'on fait Metal Gear? Est-ce qu'on tente Metal Gear sur PlayStation? Ah mais il est 3h et ça fait 8h qu'on aurait dû mettre une pause. Je suis au bout de ma life. $2,500,000. Congé. C'est vrai que j'aurais dû faire des formations aussi. Ah non, Metal Gear, je l'appellerais les yeux bleus d'une bleue. Plus bleu que le ciel bleu. Ah non, on se... Merde, c'est quoi? C'est quoi? Merde. On se tire l'oreille? Yves Grumeau, quoi. Ouais, il faut la former aussi parce que c'est catastrophique.
Faudrait que je la vire, mais bon. C'est pas grave. On compte sur toi. On va essayer de l'amener à 300 en design au moins. Le problème, c'est qu'on a deux designeuses. Là, il faudrait en fait que je spécialise Grumeau et Calvin dans la tech. Je peux être bleu! Bon, historique des jeux. Est-ce qu'on veut faire une autre suite? Est-ce qu'on devient genre de studio? Putain, le X de Xylophone quand même. Banhammer, ouais mais c'était un jeu de stratégie, on peut pas faire deux fois de la stratégie, ça va commencer à se voir. Bonobo Day, hein, bien sûr. Pirate Aventure. C'est trop récent, Bonobo Day. Ah, quoique non, c'est loin. Putain, on pourrait faire Bonobo Day 2. J'aimerais... Non, mais j'aimerais bien le 3D niveau 2, quoi. Mais j'ai pas envie de faire un nouveau moteur tant qu'on n'a pas, on nous propose pas la 3D niveau 2 quoi. Ah, on pourrait faire un flight simulator nul, ouais. Ah, il y a la Nintendo 64 qui arrive, je suis jamais arrivé jusque là. Ah, mais la cartouche, non mais c'est de la bite. Y'a que Nintendo qui fait de l'argent sur la... Ah, on peut faire un petit jeu 3D? Ah, pourquoi pas? Et si on retournait sur un petit jeu 1D? Attendez, on va trouver un truc nul. Vampire. On va faire un jeu de vampire en 3D nul. C'était quoi? Tisane de tampon. Ah, mais c'est pas une suite. Donc c'est pas ouf. Dracula. Dracula X de Fred Coppola, le réalisateur de film de boule, bien sûr. La boule magique. Merci beaucoup, Dryuken. C'est Dracula X de Fred Coppola. Public adulte. Vampire. Ah, mais du coup, on pourrait faire un RPG érotique nul. Ou sinon, on retourne sur Bloodlines. On fait un petit jeu de plateforme. Plateforme PC. Moteur, la Ruin Engine. Mais un petit jeu donc. Un petit jeu qui coûte. Un jeu du plaisir. Ouais. Ils mettent le moteur à fond plus que le gameplay. Allez, je tente, je piffe. Je piffe. Ah, mais j'ai mis plein d'argent là. Donc en fait, ce jeu il va me coûter cher. C'est pas grave. On a quand même... Oh, regarde, il y a de l'engouement de base. Salut, c'est Christopher Enial de eGaming Check. J'ai entendu que Ubisoft travaillait sur un nouveau jeu. Oh, c'est un petit jeu. J'accepte. Dracula X de Fred Coppola sera un jeu modeste. Dialogue que dalle. Level design. Pourquoi ils mettent que deux? Dialogue amélioré. Ah mais je mets rien en dialogue donc c'est zéro. Un éditeur de niveau. Ah ça c'est du génie. On sait que les dialogues c'est zéro. Un petit jeu indé. Non, ah mais j'ai 18k fans. Non, je vais prendre un petit stand cette fois-ci. J'en ai plein. Ah merde, je voulais faire du marketing. Mais on peut faire du marketing tant que le jeu est en vente pour relancer les ventes, c'est ça? Monde ouvert. Le monde ouvert dans Dracula X de Fred Coppola. Bah non, si je fais un monde nul, on va pas faire un monde ouvert. Petit marketing.
Un petit CD de démo quand même. Petit jeu indé. Oh, il y a plein d'engouement alors que le jeu va être à chier des briques. Oh putain, ça va se voir. Ah, ça y est, on est dans les nouveaux thèmes. Il y a un bug, il y a un bug. C'est pas mal pour un petit jeu. On pourra faire des gros jeux après, j'imagine. La Nintendo 64 sort. Le 3. Dracula X de Fred Coppola. Ah merde, c'est ce qu'on présente sur le stand. Oh, la misère sexuelle. Ok. Oh putain. Oh, je le sens mal. Bah, c'est un petit jeu indé. C'est un petit jeu indé. Ah, ça va, pour un petit jeu indé, on est bien. Bon petit jeu indé, le Dracula X. Voilà, un petit jeu indé. Ça coûte rien. Ça fait plaisir. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, vous êtes des game designers. Ah merde, il voulait un nouveau jeu. Un nouveau style. La SF. Putain, on pourrait faire... Ah putain, il y a quoi comme style déjà? On va faire un jeu de SF. Fallout, ça va être considéré post-apo. Design du monde est peu important. Vampire public averti, excellente. MGS ou la suite? J'avoue que Metal Gear... Ah mais 3h10. Quel enfer. Ah putain, il est encore là, Adrien Ugaret. Putain, alors on a deux hits pour l'instant. Bah non, notre vrai hit, c'est Bonobo Day. Est-ce qu'on s'a... Putain, j'aurais bien voulu avoir la 3D V2. Ass Effect, oui, on peut... Ah mais oui, Ass Effect. Ah ouais, on va faire Ass Effect. Putain, ou Mass Erect. Ass Erect. Ass Eject. Bon, merci beaucoup, Golgoth. Et Dryuken, si j'ai pas dit. Bon, alors, d'accord, on continue, mais on fait une pause. Une pause de escroquerie. On va faire Ass Eject. Mass Mes Fesses. Mass Mes Fesses. Mais pour un public averti, alors. Mass Mes Fesses. Pour un public averti. Science-fiction. Bravo. Putain, qui l'a proposé? Mass Mes Fesses. Hommage, quand même. Rendons hommage à Rainbow Cake. Voilà, toutes.